C'est mon premier vlog, donc soyez indulgents. J'adore regarder des vlogs, donc je m'étais dit pourquoi ne pas en faire. Ça fait des années que je dis ça. Le seul problème, c'est que j'ai jamais eu le courage de filmer. C'est mon test. De toute façon, si ça me plaît pas, ça ne verra jamais le jour sur internet. J'avais commencé à filmer hier quand j'étais en Vendée, quand je vous ai dit sur Insta que j'aurais bien aimé faire un vlog. Sauf qu'en fait, j'avais mis un filtre sur ma tête. Et en fait, cette nuit, j'ai réfléchi et je me suis dit, non mais ça va pas du tout. J'aime pas les filles sur internet qui mettent tout le temps des filtres sur leur tête. Je me suis dit que j'allais plutôt m'assumer comme je suis, autant être 100% franc jeu dès le début. Et donc me voilà avec ma tête, mes cernes, mes boutons. Ça fait des années que je suis sur les réseaux sociaux à faire des photos, principalement des photos sur Instagram et sur mon blog. Commencer à faire des vlogs puisque j'adore ça, mais j'arrivais pas à passer le cap, parce que en photo c'est simple, hein, c'est juste une photo, c'est une seconde de prise, et dans la rue je commençais à assumer le regard des gens, hein, sincèrement je m'en fichais un petit peu que les gens me regardent faire des photos. Mais faire des vidéos, c'est le niveau au-dessus, et voilà, j'avais envie de me renouveler un petit peu, donc let's go! Vraiment le Saint Graal. Je vais me régaler. Bon, j'ai un peu froid. Je vais aller me chercher une écharpe. Je suis à Bastille. Donc du coup, je suis pas loin de Rivoli, je vais aller me trouver une petite écharpe. Bon, du coup, j'étais chez Stradivarius pour chercher une écharpe. Je vais laisser tomber, il y a trop de queue pour juste une écharpe. Et du coup, j'ai bu un verre. J'ai surtout mangé un riz au lait avec... de la famille tout à l'heure. On devait se rejoindre pour prendre un verre et au final j'ai mangé du grand Zoé et du coup je vous montrerai ça quand je serai arrêtée, mais j'ai trouvé exactement ce que je voulais. Je voulais une grosse écharpe, pas trop dans les couleurs soft. Là, ils servent un super bon chai latte. Je vous donne une petite adresse comme ça. Côté de la Comédie Française, c'est Café Kitsune. Et franchement, c'est vraiment super bon. Parfois, il y a de l'attente, mais c'est tout, ça vaut le coup, franchement. J'en ai profité pour mettre ma nouvelle écharpe et changer mon masque. Si j'ai fait tout ce chemin, c'était pour voir ça. Hier, je vous ai pas dit au revoir, mais j'ai pas pensé à filmer. Du coup, je vous ai pas montré ce que j'avais acheté. Du coup, j'étais partie pour acheter une écharpe et j'ai acheté des petites chaussettes en plus. C'était pas du tout prévu, hein. Mais c'est toujours comme ça. Des petites chaussettes sapin. Je suis pas youtubeuse, hein, donc je fais au mieux pour vous montrer. Des petites chaussettes
avec le cœur multicolore. Et une paire avec des petites broderies. Je vais les mettre. Et l'écharpe, je vous l'avais vu hier en vidéo. J'aime trop les chaussettes parce que ça accessoirise tout de suite même une tenue un peu basique avec un jean. J'ai oublié de vous dire que du coup, j'ai commencé le montage du début de la vidéo et je pensais pas que c'était aussi compliqué. Je m'en doutais, enfin, on n'apprend pas comme ça. Mais franchement, j'ai passé toute la nuit à essayer de faire un truc propre, joli. Et puis, bah, ça prend du temps. Je continuerai dans le train tout à l'heure en rentrant sur Rouen. Aussi, ce que je me suis fait comme réflexion, c'est que j'ai essayé de filmer au maximum toute la journée et je me retrouve avec que 5 minutes de vidéo. Alors que j'ai pas arrêté, enfin, j'avais l'impression de parler tout le temps. Donc bon, voilà. Finalement, je vais partir un peu plus tôt parce que je me souvenais pas que mon train était aussi tôt. Donc là, j'y vais. Je prends un peu plus de temps parce qu'avec la valise, les bus, on sait jamais. J'évite de prendre le métro avec le corona. Je vais me chercher aussi un petit truc à manger parce que j'ai pas de petit-déj. Et j'ai trop faim. Oh, qu'est-ce que je vois passer au bout? Mon bus. Donc c'est pas grave, je prendrai le prochain. De toute façon, moi, ma famille vous le dira. Ils vous le diront tous. C'est pas les malheurs de Sophie, c'est les malheurs de Zoé. Il m'arrive tout le temps un truc. Câlin. Oh, des bisous. Des câlins. Oui. Attention, hein. Attention. Oh, les bébés. T'étais gentille avec lui, hein. Tu lui fais encore un bisou.